9 astuces scientifiquement prouvées pour déstresser instantanément. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Dev Academy, la chaîne qui vous fournit un max de conseils et d'astuces pour vous développer et devenir la meilleure version de vous-même. Des journées de travail chargées, des courses à faire, des enfants à gérer, un contexte anxiogène induit par la pandémie COVID-19 et ses conséquences économiques et financières. Autant de facteurs qui font que notre niveau de stress peut monter en flèche. En général, le stress se traduit de différentes manières. Le rythme cardiaque qui s'accélère, un sentiment diffus de malaise, un manque de patience ou une colère prête à exploser à tout moment. Quand nous sommes stressés, une hormone appelée cortisol est produite. Cette hormone permettait à l'homme préhistorique de se sauver face à un prédateur. Le stress est une réaction normale de survie qui permettait à l'homme de s'échapper du danger. Mais de nos jours, au lieu de nous aider à nous échapper, un niveau élevé de stress peut conduire à des maladies chroniques, telles l'hypertension artérielle, des maux de tête, des insomnies et des troubles d'anxiété et la dépression. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut gérer le stress et générer une réaction de relaxation durant laquelle notre respiration ralentit, diminuant ainsi la tension artérielle et réduisant le besoin d'oxygène. Voici quelques techniques et astuces scientifiquement prouvées permettant de réduire le stress. Technique numéro 1. Respirez profondément. Quand vous êtes stressé, vous pouvez remarquer que votre respiration devient courte ou irrégulière. Les exercices de respiration peuvent vous aider à vous relaxer parce qu'ils procurent à votre corps une sensation proche de celle d'un corps déjà détendu. Les exercices de respiration ou simplement le fait de faire quelques respirations profondes peut aider à réduire la tension et soulager le stress grâce à un supplément d'oxygène. Le fait de respirer profondément nous aide à nous apaiser, nous calmer. Deuxième technique anti-stress, marcher au grand air. Marcher au grand air, idéalement dans un jardin ou un autre espace vert, aide à se vider la tête et à booster les endorphines qui réduisent les hormones du stress. Cette marche peut placer le corps en état de méditation grâce à un phénomène dit d'attention involontaire durant lequel quelque chose retient votre attention mais vous permet de réfléchir en même temps. Troisième technique anti-stress, pratiquer la visualisation. Une courte séance de visualisation est un moyen facile de se recentrer. Il vous suffit de vous installer confortablement sur votre chaise au bureau, sur votre canapé à la maison ou n'importe où, et ensuite de visualiser une scène paisible, des vacances à venir, votre plage favorite. Vous pouvez même vous imaginer réaliser un de vos principaux objectifs de vie. Le pouvoir de l'imagerie mentale pour susciter une réaction de détente a été prouvé par plein d'études scientifiques. Quatrième technique, mettez de la musique. Il a été prouvé que la musique a un véritable effet relaxant et apaisant. Elle diminue les niveaux d'hormones du stress, baisse la tension artérielle et ralentit le rythme cardiaque. La recherche a montré que la musique est particulièrement bénéfique aux personnes soumises à des événements stressants et qu'elle a le pouvoir d'apaiser l'angoisse au quotidien. Mettez n'importe quelle musique que vous aimez et ça remplira votre cerveau de neurohormones de bien-être comme la dopamine. Une étude scientifique a associé un usage continu de l'ordinateur avec le stress, la perte de sommeil et la dépression chez les femmes. Selon la même étude, utiliser l'ordinateur tard le soir a été aussi associé au stress, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Assurez-vous de faire des pauses fréquentes durant votre journée passée devant l'ordinateur et essayez de vous déconnecter au moins une heure avant le coucher. Sixième astuce, pratiquez la méditation.
La méditation permet de chasser le stress. Cela a été prouvé par plusieurs études scientifiques. Ainsi, une étude a montré que la méditation pouvait doper le système immunitaire, permettant ainsi de limiter les infections. D'autres études ont montré les bienfaits de cette pratique pour le système cardiovasculaire. Les adeptes de la méditation avaient une tension plus basse, un cœur plus lent et leur profil lipidique était meilleur. Elle serait d'ailleurs l'un des moyens utilisés par les habitants d'Okinawa pour rester zen et devenir centenaire. 10 minutes de méditation vous permettront de vous calmer et de vous recentrer sur vous-même. Asseyez-vous en lotus ou dans un fauteuil confortable, les pieds bien posés sur le sol. Méditer consiste simplement à se concentrer sur son souffle, à prendre conscience de sa respiration en la laissant être ce qu'elle est, tantôt fluide, tantôt saccadée, jusqu'à ce qu'elle ralentisse et devienne plus légère. Cet exercice de concentration sur la respiration permet de lutter contre la dispersion des pensées. En même temps qu'il apaise, il enseigne à l'esprit comment se rassembler, se fortifier. Lors de l'exercice de méditation, il y a des pensées qui surgissent. Il faut les accueillir sans les forcer ni les retenir, sans les condamner ni les approuver. On prend conscience des pensées qui surgissent et des émotions ressenties. Septième technique anti-stress, regardez une vidéo qui fait rire. Éclater de rire est une bonne technique de relaxation. Les rires augmentent le volume d'air riche en oxygène que vous ingérez, stimulent votre cœur, vos poumons et vos muscles et augmentent les endorphines qui sont relâchées par le cerveau. Regarder des séries humoristiques va réellement réduire votre niveau de stress et vous détendre. Huitième technique, manger une banane. Quand on est stressé, manger une banane aide à retrouver de l'énergie et à se reprendre. D'ailleurs, certaines recherches ont montré que le fait de manger une banane peut protéger le corps des effets négatifs du stress, par exemple un risque accru d'attaque ou de crise cardiaque. En effet, le potassium contenu dans la banane aide à réguler la tension artérielle qui monte en période de stress. Neuvième et dernière astuce contre le stress, éteignez votre portable. Les portables sont source de stress, c'est absolument certain. Parler peut même augmenter votre pression artérielle. Alors ayez le réflexe de l'éteindre ou de le mettre en mode avion pour vous déconnecter et de ne pas être dérangé toutes les 5 minutes par toutes sortes de notifications. D'ailleurs, moi, cela fait longtemps que j'ai désactivé toutes les notifications de mon téléphone. Notifications de réception de SMS, WhatsApp, mail. Et je peux vous dire que ça réduit le stress et ça augmente le niveau de concentration. Voilà, je récapitule les 9 techniques anti-stress qu'on a vues dans cette vidéo. Premièrement, respirer profondément. Deuxièmement, marcher au grand air. Troisièmement, pratiquer la visualisation. Quatrièmement, mettez de la musique. Cinquièmement, éloignez-vous de l'ordinateur. Sixièmement, pratiquez la méditation. Septièmement, regardez une vidéo qui fait rire. Huitièmement, mangez une banane. Et neuvièmement, éteignez votre portable. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi en commentaire les thématiques que vous voulez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. En description de cette vidéo, vous trouverez mes 3 guides offerts. Un guide pour doubler votre productivité et réaliser 2 fois plus de choses sans devoir travailler plus. Un guide pour devenir irrésistible et attirer les autres à soi et un 3e guide pour devenir plus élégante. N'hésitez pas à les télécharger, c'est cadeau. À très vite!